J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, mais spéciale Belgique, puisque je suis partie faire un petit tour en Belgique à Famille Flora. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un peu une jardinerie où vous trouvez un peu de tout, des choses pour la pour le jardin, mais de la déco, même un petit peu de scrap, de loisirs créatifs, des bougies, des choses comme ça. Enfin bref, j'adore ce magasin, je le trouve très très sympa. Et je suis aussi allée à Wibra, je crois que ça se dit comme ça, en Belgique aussi. Donc j'ai craqué pour des petites choses, je vais vous les montrer. Je prends au hasard parce que j'ai tout mis dans le même sac. Premièrement, j'ai craqué pour ce pyjama pour moi en taille XL à 10€, à 9,99€. En fait, pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai pris le même style pour ma fille. Je vais vous le montrer si je retrouve la poche. Donc j'ai fini par aller chercher parce que je ne trouvais pas l'étiquette. Et puis je l'ai retrouvé après. Donc j'ai aussi acheté le même pour ma fille, je vous montre celui pour ma fille qui coûtait 7€. Je l'ai pris en taille 104-110 cm, c'est un petit peu plus grand pour elle, mais je me suis dit que tant pis, ça allait servir voilà, toute l'année à peu près. Je trouvais trop craquant, donc voici le bas, avec voilà, le petit truc un peu petit déjeuner, claquettes, tout ça, je trouvais ça trop mignon, d'ailleurs elle l'adore. Et le petit haut il est comme ça. Donc... je trouve que ça lui correspond plutôt bien. Et en fait j'ai trouvé le même style pour adulte. Alors le haut il est pas pareil, il est tout gris avec l'intérieur, bah avec les petits dessins à l'intérieur. Mais le bas il est pareil. Et du coup je me suis dit que ça serait trop marrant de faire une petite photo maman et sa fille avec le même style de pyjama. Bref, mon petit délire. Grâce à Wibra je vais pouvoir le faire. Ensuite j'ai trouvé aussi au niveau vêtements pour 6€, c'était une grosse promotion, une jolie robe de très bonne qualité honnêtement, toute noire pour ma fille. Pareil en taille bah, 110 cm, c'est un peu grand mais ça lui va très bien en fait, comme ça tombe bien au niveau des genoux. Et elle est trop jolie, au niveau de la qualité c'est top. Et regardez-moi ces petits motifs un peu, enfin voilà, je la trouvais très jolie, même pour le jour de l'an, les Noëls, les fêtes, mon anniversaire. Enfin elle va être trop belle là-dedans, elle va être super classe, donc j'avais envie de lui prendre pour 6€. J'ai acheté à Wibra toujours ce petit carnet que je trouvais trop mignon pour 1,49€. Et il est trop craquant, mais c'est surtout l'intérieur en fait, c'est que des papiers. Je sais pas si vous verrez bien, avec des dessins, des petits motifs, voilà, un peu géométriques. Et je trouvais ça sympa pour le planeur, pour les utiliser pour le planeur, pour écrire des petites choses. Là c'est que des petits points jaunes. Et à la fin, pareil, toujours géométrique. Ça reste doux et du coup, pour le planeur, je me suis dit que ça pouvait être cool. À Wibra, j'ai trouvé plein de petites choses quand même pour la déco, donc je trouvais ça sympa. Pour mettre sur le bureau, j'ai trouvé cette petite chose, 89 centimes, voilà, et trop beau avec du gold dessus, avec voilà dedans des petits post-it, mais ça reste rien d'exceptionnel, mais c'est trop mignon. J'ai craqué pour ces petits stickers là à 50 centimes où d'un côté il y a ça et de l'autre côté il y a comme des washi oui, des sortes de washi tape. J'ai craqué aussi au niveau stickers pour cela à 1€, non, 50 centimes aussi, avec il y a 3 planches à l'intérieur. J'en avais déjà acheté la première fois que je suis allée à Wibra, je vous remettrai mon haul ici, mais j'avais déjà beaucoup aimé leurs petites choses là-bas. Ça c'était à Famille Flora, j'ai trouvé ces petits stickers là à 1€. Alors je vous montre recto verso, voilà le verso. Très sympa aussi, pour faire les décos de planeur et tout, c'est parfait. Pour le planeur encore une fois, j'ai pris ces petites choses là à 1€. Trop mignon, en plus il y a déjà les petits trous, alors je sais pas si ça rentrera dans mon planeur, je vais regarder, mais je trouvais ça trop sympa, c'est déjà la planche toute prête. Et au niveau du scrap et du planeur, j'ai pris deux planches de... deux planches de tampons transparents, j'ai trop de mal. Et les voici, elles sont juste sublimissimes. Je vous les remontre. Regardez-moi ça, à 1,50€ la planche. Elles étaient trop belles, je pouvais pas le passer, les laisser passer. Et d'ailleurs, même pour le planeur, pour faire des petites décos d'un planeur, j'utilise rarement les tampons clear. Mais il va falloir que je le fasse parce que je les trouve trop belles. Et ma fille voulait des chocolats. Donc je lui ai pris ça, des Mikado spécial d'un, à 1€ je crois, ça m'a coûté, mais je les trouve pas terribles. Je suis pas hyper fan. C'est assez rare venant de ma part que je n'aime pas des trucs au chocolat. J'ai pris des petits cadeaux pour Mélanie, etc. Mais je vous les montrerai pas. J'ai fait aussi un haul action, donc je vous mettrai tout dans la par ici.
N'hésitez pas à me dire vous ce que vous trouvez de bien chez Wibra ou chez Famille Flora. J'ai acheté aussi une bougie Yankee Candle pour ma belle-mère chez Famille Flora. Et j'ai acheté un sublime nounours. Je vous remettrai une petite photo parce que il est dans le lit de ma fille, je crois. Et du coup... Non, je vais aller le chercher. Et du coup, voilà. Voilà. La petite bête. Ce petit nounours coûtait 12,50€ à la vache chez Famille Flora et il m'a coûté que 3€. C'était même pas une promo, c'était juste un problème d'étiquetage ou quelque chose comme ça. Mais sur l'étiquette, il y a écrit 12,50€ alors que en dessous, tous les lots de nounours, il y avait écrit 3€. Donc j'ai demandé aux caissières et c'est bien 3€. Et ma fille, il adore, il est trop beau avec son petit nœud. Je trouve qu'il lui ressemble, entre guillemets, dans le sens où il fait vraiment petite fille. Il est trop joli. D'ailleurs, pour réaliser des petites photos... je trouve trop trop mignon et la qualité est vraiment top, donc c'est bien de la marque Famille Flora, vraiment je trouve très très sympa, donc c'est une super idée cadeau d'ailleurs pour celles qui sont de Belgique et qui veulent acheter ce genre de petits cadeaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous, soutenez-moi avec des petits pouces en l'air et puis je vous dis à très très vite, salut salut.